En cela, je pense que la thématique d'aujourd'hui est intimement liée, donc comme je disais, à la fréquence, mais elle est aussi radicalement différente parce que, comme je disais, la fréquence est quelque chose qui t'est personnel. Or, la régularité te sera forcément dictée par tes abonnés. Au fond, ce n'est pas une mauvaise chose, mais cela peut rapidement devenir un poids. Et je connais beaucoup de youtubeurs qui n'ont pas forcément réussi à se relever de cette idée finalement trop simple qu'au bout du compte, ce qui se dit dans la section commentaires est un peu comme ce qui se passe à Las Vegas. Bon, plus sérieusement, il faut avouer que la régularité d'un youtubeur est devenue presque un diktat aujourd'hui pour certains, là où il faut simplement chercher à y voir une certaine forme de finesse d'esprit qui consiste à se motiver à créer et non à se forcer à le faire. Et c'est là la plus grande beauté qu'un créateur peut se permettre d'avoir, c'est de se laisser le temps pour développer et créer ce qu'il a envie. Car oui, si au fond la fréquence de sortie de tes vidéos ne va pas influer sur la qualité de celle-ci, la régularité le fera forcément. Et oui, au fond, si tu choisis d'aller vite, comme c'est un peu le cas pour moi par exemple, il faut être sûr d'avoir le bagage le plus intéressant et le plus juste, mais surtout le plus simple, pour réussir à aller dans la direction qui te plaira au mieux, car finalement, de mon côté, il me fallait une forme qui soit assez juste, mais en même temps peu coûteuse en termes de temps. Au fond, je fais partie de ceux qui cherchent à être réguliers, voire même très réguliers, mais chacun a sa manière de faire, et surtout sa manière d'aller de l'avant sur Internet, et en soi, je pense profondément que si l'on veut se permettre de prendre son temps, et ne pas forcément être régulier, on peut aujourd'hui, encore heureusement, survivre sur YouTube. Je pense à Anto, je pense à François, je pense à Victor dans ce genre de moment-là, parce que eux, maintenant, ben, ils font un peu comme ils veulent. On peut faire comme on veut. Je sais, cela semble impossible, voire même absolument aberrant pour certains, mais je pense profondément que l'actualité n'est pas forcément l'avenir sur YouTube. L'actualité est une chose très éphémère, mais également une chose qui demande un petit peu de recul pour lui donner une certaine forme d'universalité compréhensible par tous. Je divague un peu, mais ce que je veux simplement vous faire comprendre ici, c'est que finalement, la chose la plus importante, lorsque tu te poseras la question autour de ta régularité ou non de contenu, je veux que ce soit la suivante. Est-ce que ta régularité est à l'image de ce que tu voulais voir sur YouTube lorsque tu n'étais que simple spectateur? Une fois cette question résolue, on va choisir ce qui sera le plus important dans ta fréquence de sortie de vidéo, la forme ou bien le fond.